Comme je vous l'ai dit les potes, aujourd'hui récompense Rivals, récompense Qualif Fut Champion et quelques petits packs déjà en boutique. Donc on va directement ouvrir, comme ça au moins on fait le tri, on fait chaque chose à son tour. Le but du jeu, packer les plus gros joueurs du jeu pour avoir encore masse de crédit. Du coup pack or, deux éléments 81, 82, 82, 83, 84. Tu vois, tout ça on a packé je crois dans la saison 1, dans la saison en vrai. Donc ça fait plutôt plaisir en vrai. Waouh, mon casque me pète les oreilles, sérieux. Bayern. Plus gros, je vais le mettre là en bas. Voilà. Je vais jouer avec le casque pour l'instant. Les amis, la nouvelle saison a enfin commencé et vos crédits sont d'ores et déjà prêts sur FIFA Coin. N'hésitez pas à utiliser mon code PSYCHO pour une réduction de 5%. Faites-vous plaisir, achetez les joueurs que vous avez envie. Le lien est dans la description. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits. Achetez un joueur tout simplement ou utilisez-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. Ah, j'ai pas regardé s'il y avait des SBC, excusez-moi. Comme d'habitude, faut vite qu'on aille voir s'il y a des SBC intéressants où on peut balancer les doublons ou si on skip notre tour. Ah, renfort RTTK 84+, ça peut être rigolo à faire. Jude Bellingham, pas envie, Vidic, on n'a pas envie parce qu'on en a déjà un. Pack sans éléments. Ouais, je suis pas convaincu. 85+, on va faire. Ok. Renfort icône, on le fait pas. On sait que malheureusement, il n'y a pas grand chose qui va nous intéresser. Ici, c'est des joueurs un peu bons, mais qui vont pas nous intéresser aussi pour notre 11. Non, c'est bon. On est bon. Allez, tapons du lourd, s'il vous plaît. MDC Celta. Fran Beltran. Bon. Allez, 80+. Italien, défenseur central, Inter, j'adore ce joueur, je rigole. Darmian, c'est ça? Non, Acerbi, je confonds toujours. 82 et 83, Taremi et Acerbi. Est-ce qu'il n'y avait pas un petit DCE qui demandait pas trop cher, la favori, dans favori que j'ai mis? Tu vois, le renfort 84, ça ne demande pas grand-chose, non? Bah voilà, nickel, hop, voilà. Et ça récupère. Renfort RTTK 84+. À tout moment, je sais plus les joueurs qu'il y a bien dedans, mais c'est évolutif, donc ça peut éventuellement me plaire, en vrai. J'aime bien les joueurs évolutifs, donc du coup, pourquoi pas. 2,82+, les gars. Modric est bon en plus. Hein. Le bougre, je l'ai joué un peu. Modric, il est bon. Hein. On l'avait eu en draft. Oh là là, superbe. Merci. Qui s'en est pris 4 hier au top. Merci pour les arrêts. Ouais, je suis un peu fâché. Non, je suis un peu fâché. Et c'est pas que de sa faute, bien évidemment. Allez, on a là dans le 85+, j'imagine. Ouais, ça va être ça. Hein. Bon, je vais pas vous mentir, hein. Là, les doublons, ça va être sûrement poubelle, hein, les potes. Y a pas grand-chose qui va nous intéresser après dans le reste des joueurs. Buteur, ça va pas nous intéresser non plus, on peut skip. Là, on est en route pour même un petit joueur de la semaine, là. Y a des joueurs de la semaine sympas à tester, en vrai. Qui ferait plaisir. Italien, MOC. Après, là, on cherche éventuellement, dans le poste qui me manque... un gros milieu offensif, quoi. Ça pourrait être un poste qui nous manque, en vrai. Parce que là, à chaque fois, je mets un joueur de prêt pour tester, tu vois. Mais j'ai pas le titulaire indiscutable pour l'instant. 83+. Comment ça peut monter en général? Par contre, on pourrait avoir des petites animations, quand même. Défenseur central. Newcastle. Je l'ai clairement pas, là. Ah, Botman, ok. Je ne l'avais pas. Oula. Bon, bah, écoutez, désolé, messieurs, hein, mais bon, bah, au revoir. Hein. Bon, après, j'avoue qu'il n'y a pas des joueurs que je kiffe plus que ça dans mon club qui peuvent évoluer, donc bon, on va pas se prendre la tête non plus. Défenseur droit anglais, Liverpool, c'est animé, les amis, et c'est doublon, je crois, malheureusement. Alexander Arnold. Aïe, aïe, aïe. Ah non, je l'avais déjà balancé dans un SBC. Parfait. Bon, bah, ça, c'est très bien. Très, très bien. Cool. Ok, alors là, attention. 85+ et un pack en route pour l'élimination. Alors, espérons au moins un petit truc sympa, quoi. 85+, est-ce qu'on peut faire une animation ou pas? Oh bah c'est Malbar. Ouh, alors là c'est Malbar. Hein. Putain, des deux packs 85+, ils vont me filer deux meufs à 85? D'accord, c'est l'histoire qu'on a décidé de vivre. Super, heureusement que t'es vendable, hein, parce que sinon je t'aurais fait la gueule. 8000 crédits ce truc? Eh ben dis donc, on n'arrête pas le progrès. Le joueur évolutif, 84 de général ou plus. Juste pas un doublon les gars, s'il vous plaît. Argentine, MC... Ouh, l'Atletico en plus ils vont up, non? De Paul, sacrée carte. Hein. Il a déjà up De Paul ou pas? Parce qu'il a une sacrée carte. Hein. Ok, tir en finesse, les passes incisives c'est sympa, passe longue c'est cool. Ok, quand même bien plus offensif hein, qu'autre chose. Sympa, on prend. Ah, ça vaut ce prix là? Mais non, mais arrête, pourquoi c'est si cher? C'est totalement dingue. Pourquoi il est si cher les gars? Bah, écoutez, on va regarder dans le club, on va suivre attentivement le délire. Victoire dans les deux matchs. Ah, je pense qu'il a déjà pris ses up, non? Ok, on prend. Allez, les récompenses Rivals.
Alors, du coup, je vais prendre en vendable parce que j'ai quand même beaucoup trop de joueurs non vendables. Donc, je vais prendre en vendable ici, les gars, parce que au bout d'un moment, sinon, on va juste jeter les joueurs, ce qui ne vaut pas la peine. Autant prendre de la valeur marchande et monter encore un petit peu plus les crédits, même si, voilà, on sait que dans les vendables, c'est toujours plus compliqué d'avoir quelque chose qui se vend bien. Mais pourquoi pas? Allez, 1,82 plus vendable, les amis. Brésil, gardien. Oh, c'est beau! Bah, tu vois, on a bien fait. On a vraiment bien fait. Ederson. Magnifique. 88 de général. Très très bon ça. Voilà, un petit 20 et quelques quoi. On va le mettre à 26. Merci beaucoup d'être arrivé. Au revoir. On t'a dit très vite au revoir, mais non, très bien. On est content. On est satisfait de ça. Ça c'est cool. Ici, milieu droit. Wolfsburg. Yondostir. Enchanté. Je ne vous connais pas, madame. Mais nous gardons. Nous gardons. Et le reste, bon, on peut lister. Après, de toute façon, je sais que pertinemment, au bout d'un moment, les joueurs ne partent pas, donc je les jetterai. Mais pour l'instant, listons-les, on a de la place sur la liste des transferts. Il va up à 87 ? Ok, nice. Nice. Et bah du coup, on verra. On verra si on va le jouer ou pas, si on peut le rentrer dans l'effectif ou pas. Freigang. Ok. On est en mode meuf, hein, ce matin, vraiment. Prenons. Et on liste le reste. On a fait juste 6 victoires ici. Et comme ça, on récupère 2 packs méga, 1 pack or rare. Et bien sûr, la qualif pour les finales. Comme à notre habitude. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir ouvrir ici? Pack or rare et 2 packs méga. J'aime bien. Franchement, j'aime bien ces packs. Hein. Je trouve qu'ils sont généreux pour une petite qualif comme ça. Après, voilà, faut que ça tape à l'intérieur. Mais je trouve que les packs donnent des possibilités, quoi. Une joueuse de la Carmine Corp ici, super. Allez, 2 packs méga, pourquoi pas, s'il vous plaît. Parce qu'on n'a pas vu de carte spéciale encore, là, hormis la carte garantie. Hein. Arsenal. Ok, ben oui. Putain, c'est vraiment un pack opening meuf, hein. Il y a que des meufs, les gars. Après, tant que c'est vendable, ça me va, mais... c'est vrai qu'on aurait préféré autre chose, quoi. Je vais pas te mentir. Et le deuxième pack méga. Je crois qu'il n'y aura pas d'animation, malheureusement, hein. Malheureusement, je crois que c'est un nom. Rodriguez, 83. Bon, bah, je les aime bien ces packs, mais là, ils n'ont pas tapé. Bon, malheureusement, pas de chance ici. Il nous reste quoi? Il nous reste éventuellement la boutique à vider. Et puis, oh, déjà, on va prévisualiser. Commençons par une prévisualisation. Moi, j'aimerais un jour packer une icône là-dedans. Vraiment, c'est mon rêve. Hein. Ce serait mon rêve de réussir à faire ça. Qui es-tu? J'ai pas fait gaffe. Ah oui, Almiron. Ok. Bon, je suis pas sûr que ça vaille grand chose, Almiron. Hein. Je suis pas sûr que le pack va être rentable ici. On n'achète pas ce pack. Et en pack en promo. Bah vas-y, on y va. On va voir les packs vendables de la boutique. En espérant packer un petit truc pour terminer ce pack opening. Et puis voilà. On est toujours à la recherche de packer l'icône. Hein. De packer le truc de ouf. Alors, Ericsson. Bonjour, madame. Allez, on continue. 50 000 crédits. Pour l'instant, on n'est pas. Oh, c'est blanc. Croate, MC. Real Madrid. Mais non. Attends, j'ai quoi derrière? C'est quoi? En blanc comme ça, c'est une icône? Non, c'est une icône, frérot? C'est une icône ou pas? Oh! Let's go! Oui! On a faqué une icône! J'y crois pas, je savais pas. La dernière fois que j'ai eu du blanc, c'était un truc... Oh, en plus, Trezeguet, on avait envie de test. Ah oh, bah voilà, c'est bon. Oh non, mais là, on arrête, les gars. Là, on prend une petite retraite de quelques semaines, en vrai. On reviendra pour les totis. Oh, on a fait ce qu'on avait à faire. Incroyable. Dans un pack à 50K. Oh là là. Ah, puis 3 animes. Non, mais ils ont lâché les chevaux, là. Hein. Un petit 80 000 crédits. Non, mais attends. Mais moi, j'ai envie de le tester, en plus. Hein. Non, on va tester. Joueur icône centurion, moins de 1%. On est allé la chercher, hein. On est allé la chercher, celle-là, les gars.